Yo les gars, c'est Ainsi, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Danmachi Battle Chronicle. J'ai un peu le hoquet, donc je vous préviens à l'avance. Et donc dans cette vidéo, on va découvrir la mise à jour d'Halloween. J'étais tranquillement rentré de vacances, il est 6h du mat, et je dormais pas parce que bah, je jouais un petit peu. Je lance le jeu et je vois quoi? Mise à jour d'Halloween, genre comme ça, sans prévenir. Du coup, bah, on va un petit peu découvrir, et on va surtout invoquer. Vous voyez que j'ai plus beaucoup de gemmes. Parce que, mec, j'invoque dans toutes les bannières. Regardez, je vous montre vite fait. C'est ici. Mec, j'ai invoqué sur la Ice et Loki. Sur la 3 millions. Ah, mais ça, c'est les free. J'ai invoqué sur Ice Loki. Ice Loki. Ice Loki. Enfin, j'invoquais tous les persos, mec, pour rien. Alors que je les ai même pas eu. Enfin, bref, on s'en fout. Je vais vous montrer vite fait aussi. Du coup, l'event qui est juste là. Très joli. J'ai fait déjà tout. Pour les échanges, vous avez des nouveaux gadgets, un Mystical Falna, après tout le tralala on connaît, des livres à moitié prix, des livres, et en bas vous avez 10 tickets et la scène card x5. Ça c'est terminé d'ailleurs, il me manque un livre, donc c'est un peu dommage, mais bon, on s'en fout pour un livre, en plus j'en ai 10. Il y a les raids aussi, je vais vous expliquer, mais c'est très très galère. Déjà, il n'y a personne qui joue dans ce mode et en plus, faut beaucoup beaucoup de tickets pour avoir des récompenses. Et le reste, c'est normal. Du coup, là, on a les bannières, donc la classique, les FIA et on a la nouvelle d'Halloween avec caractère assist et les trois scène cards. Et puis à droite, je crois qu'il n'y a rien, on vérifie. Ok. Ils nous ont rajouté aussi des packs dans la boutique, les gars. Un milliard de packs. Alors là, ils ont rajouté deux packs que je pense pas que je vais prendre. De toute façon, j'ai plus trop de sous. Donc je pense pas. Et puis c'est des packs pas trop rentables. En gros celui-là c'est le pack de base qui est là. Sauf que au lieu d'avoir 400 Selas free, vous avez 10 Mighty Bond. Donc pour une constellation de personnages. Et pour celui-là c'est le même que lui. Sauf qu'au lieu de 150 Selas vous avez un Memory Crystal. Donc c'est pour les scène cards je crois. Ici vous avez deux packs de 10 tickets. Donc 20 tickets. Oula pardon. Ici, vous avez des caractères upgrade, des limites de recovery. Et là, ils ont rajouté trois packs. Donc, celui de Garrett, celui de Eyes et celui de Wealth. Moi, j'avais déjà acheté cela à l'époque. Bon, j'étais un peu teubé. Il me manquait Thionné, que j'avais pas encore acheté. Mais du coup, ils en ont rajouté trois. Et ils ont rajouté carrément des assists, mec. Donc, voilà, plein d'assists gold. Et ils ont rajouté des bons de packs. Donc, bon, pourquoi pas. C'est des bons et puis des livres. Et ça change pas. Du coup voilà les gars, je vous montre aussi vite fait, mais du coup vous avez le raid avec 1 milliard de récompenses et surtout plein de marteaux, ça c'est cool. Par contre les gars, je vous dis bonne chance pour aller jusqu'au bout, c'est très très galère. Du coup voilà, je pense qu'on a tout regardé, il n'y a pas de nouvelle story. Du coup on va directement aller sur la bannière double rate up qui est juste là. Hop, on va commencer évidemment. Par la régular. Régular coupe skinny. Oula. Donc c'est parti. J'ai envie de vérifier s'il y a des nouveaux persos. Je crois que les scène cards, même les scène cards d'événements, ils les mettent toutes. Oula, c'est pas ça que je voulais regarder. Ils les mettent toutes dans les. Dans la régulière. Si je dis pas de bêtises. Comparé aux personnages. Parce que si on regarde les persos. Absolute. Yamato, Ice, Belle, Ryu, Lefia. Thionné, Thionnabeth, Garrett, Cassandra. Tu vois, c'est les persos de base. Alors que les scène cards, si on descend un peu, il y a moyen qu'ils y soient tous. Bon, en fait, je connais pas le nom des scène cards. Ouais, Wave, Hôtesse, Trip. Ouais, donc, si j'ai pas de bêtises, toutes les scène cards sont dans la régulière. Sauf si jamais ils le précisent. Mais bon, pour l'instant, je crois qu'ils y sont toutes. Donc, ce qu'on veut, c'est des scène cards. D'event que je n'ai pas eu, let's go. Parce que moi, ce que je préfère, c'est collectionner. Je m'en fous des persos forts. En plus, j'ai déjà tous les persos broken. Donc, je veux de la collection. Et donc, il me manque quelques scène cards d'event. C'est parti. Déjà, on a un UR garanti là-dedans. On va voir ce que c'est. Ok, 2, 3, 4. Oh, j'y ai cru de fou. 5, 6. Oh! Bah let's go. Oh là là les gars. Je suis trop chanceux. Je viens de lire la carte littéralement. Je viens de la lire.
Et j'ai dit je veux une carte d'event. Bah let's go. On pouvait pas demander mieux. C'est pas ma préférée. Je préfère celle dans l'eau là. Je sais plus c'est quoi le blaze. Mais très très cool. D'ailleurs j'ai 150 médailles. On peut avoir quoi? Une scène card pour 150. Et 200 un perso. Est-ce que j'attends le perso ou pas? Ouais, je pense qu'on va attendre le perso. On va attendre le perso. 50 invoques encore. Parce que les scène cards, bon. Voilà, dose. Et donc on va invoquer sur la petite bannière qui est là. Donc il y a deux nouveaux persos les gars. Celui-ci et celui-ci. Donc elle c'est une assist. Et l'autre c'est machin. Ensuite vous avez trois cartes. Donc I'll Protect You avec les deux là. Cassandra elle est trop trop stylée. Je trouve que c'est celle qui a le meilleur cosplay. Et vous avez pas vu la dernière. Elle est juste là. Avec Belle qui est un peu fou dans la tête. Ok, c'est parti. 8 et 8, 16, 2500. On a assez de faire deux multi, let's go. Non. Je vous assure que si là j'ai pas un truc d'Halloween, j'ai trop le seum. Mec, Halloween c'est trop bien. Les skins ils sont magnifiques. Je sais même pas s'ils sont forts. J'ai même pas regardé les kits, je m'en fous un peu. Allez, donne-moi des cartes, des persos, j'en sais rien. Non. Non. Ok, pas grave. Ok, il nous reste une dernière multi. Allez, n'importe quel. Un des cinq nouveaux trucs là. Allez, allez, allez. Let's go. Allez. Un des cinq nouveaux. Le mieux, je pense, c'est un perso. Mais une scène card, je prends. Une scène card, je prends. Avec Cassandra. Cassandra, elle est très stylée. Allez. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va pas tomber. 7, oh, un perso? Ah oui, blablabla. Je sais pas c'est qui. Non! Je l'ai ou pas? Au moins je l'ai pas. Au moins je l'ai pas. Mais ça fait chier d'avoir un perso régulier. Au moins je l'ai pas. Au moins je l'ai pas. Bon, bon, bon. Je prends, je prends. C'est mieux que rien. Mais mec, j'y ai tellement cru. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas invoqué des persos. Parce que je me suis un peu fait shaft. Que je me rappelais plus des textes. D'habitude, je connais les textes par cœur, mais là, je me rappelais pas. Du coup, la petite Mikoto que j'avais pas. On commence à avoir une belle box. Putain, pas mal, pas mal. Il me manque qui comme perso? On va regarder. Regardez ça ensemble. C'est Phil de Guild, je crois. Il me manque Cassandra. Bête. Il me manque les deux là de Summer. Et la nouvelle ici. Il manque pas beaucoup. Deux classiques, deux Summer. Sachant que elle, je l'ai invoquée tellement de fois, la Eyes, mais je l'ai pas eu. Et celle d'Halloween, du coup. Ok. Bon bah voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite invocation, tranquille, sur la bannière. On a eu deux UR, ce qui est pas dégueu. Ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis voilà. Ciao, ciao.